épuise-moi, grise-moi, brise-moi, mais par pitié, ne m'abandonne pas. Ne me dis pas qu'il te plaît. Oui. Alors t'as encore moins de cervelle qu'un petit pois. Ouf. Comment ça va, les jeunes? Ah, oh, content de vous revoir. Pas de poignée de main entre nous. Eh bien, moi aussi, je suis très content de te revoir, Stéphane. Ravi de vous faire plaisir. Alors, comment je suis? Tellement classe, on dirait que vous venez de faire la couverture de Vogue Homme de ce mois-ci. Vogue Homme, c'est vrai? Faites-nous le mannequin pour voir. Ouais. Laissez-moi deviner. Giorgio Armani? Presque. Brad Pitt. Franchement, vous avez un look de star. Si on vous met à côté de Denzel Washington, les gens diront « Hé, c'est Carl Winslow et l'autre, c'est qui ?» J'adore ce petit. Garde-le-toi bien. Oh, t'en fais pas. Cool. Bonsoir tout le monde. Oh, sublime. Maman, tu es magnifique. Oui, je sais. Allez, dépêchons-nous, chérie. Notre public nous attend. Alors, ne décevons pas nos fans. Au fait, pendant notre absence, n'en profitez pas pour vous embrasser toute la nuit. Oh, je serai un parfait gentleman. M'adresser à Laura. Qu'est-ce que tu vas commander? Une lampe torche pour lire ce menu. C'est fou ce que c'est sombre ici. Harriet, ne bouge pas. Quoi? Tu as une bête sur ta veste. Une quoi? Carl, c'est ma broche. Oh. Nous sommes mariés depuis des années. Carl, tu as manifestement des problèmes de vue. Ne sois pas stupide et va chez un oculiste. Non, je n'ai pas besoin de lunettes. Le vin que vous avez commandé. Merci. Servir. Bien, monsieur. Et si vous m'y autorisez, je vous fais toutes mes félicitations pour votre superbe choix. Je ne prends que de la bonne qualité. Question de standing. Ça fait plaisir de voir des gens qui n'ont pas peur de prendre une bouteille à 200 dollars.